département des collines, dans ce mois d'août-là, il y a deux activités majeures. La première, c'est la fête du 15 août à Savalou, et puis la grotte Marianne à Dassa. Et nous avons déjà tenu des séances avec la mairie de Savalou, qui a eu quand même l'idée de mettre sur pied un comité pour recenser tout ce qu'il y a comme manifestation et activité à faire. Et c'est ce comité-là qui a validé certaines activités, a rejeté d'autres. Et nous, à notre niveau, on a mis l'accent sur deux choses, le plan sécuritaire et le plan sanitaire. Et donc, tout le protocole, toutes les mesures barrières doivent être observées. À une première séance, le point qui nous a été fait n'était pas du tout reluisant. On a renvoyé alors les organisateurs à aller, comme on dit, prendre les mesures, respecter convenablement les mesures barrières. Et donc, il y a un deuxième travail, une deuxième séance de travail qui a été tenue. Et à cette séance, on a senti qu'il y a d'amélioration. De nouvelles recommandations ont été formulées afin de renvoyer, n'est-ce pas, l'équipe à se conformer. Et hier, l'équipe s'est déplacée, le comité plus le maire et son staff se sont déplacés vers la préfecture. On a fait le point avec le directeur départemental de la santé, le secrétaire général du département, les chargés de mission et autres, et le DDPR, et on a constaté qu'il y a un plan de sécurisation. Il y a également les mesures barrières qui sont, les précautions sont prises pour que le jour J, comment dit-on, ces mesures-là soient respectées. Donc, je peux vous dire que ils ont quand même suivi les recommandations et aujourd'hui nous sommes à une étape où la fête va se passer, mais dans la sobriété. Il n'y aura pas. On a tout fait pour pouvoir maîtriser quand même les effectifs et faire en sorte que sur 20 ou 22 activités proposées, nous n'avons retenu que 8 sur des sites donnés avec des horaires précis. On sait que telle activité retenue commence à telle heure et doit finir à telle heure. Donc, juste pour pouvoir maîtriser les attroupements. Donc, voilà ce qui est en train d'être fait. Et aussi au niveau de Dassa, le même travail s'observe. Et puis, je crois que d'ici la semaine prochaine, on va faire une deuxième séance avec les responsables du pèlerinage et la mairie pour pouvoir imposer ou bien orienter les gens à respecter ce qui est indiqué par le gouvernement en ce qui concerne les mesures barrières.